ce soir, tonight, not another day, but tonight. Bienvenue à vous, salut YouTube. Je voulais voir avec vous le contenu des packs Commander. Comme vous pouvez le savoir, il y a un article, comme souvent sur le Daily MTG, qui nous donne les contenus des decks Commander, qui est sorti normalement hier, si je me trompe pas. Oh oui, on a les release notes aussi. On a les hard cards. On a les Thunder Junction decklist. On a les decklist des decks Commander. Normalement, qui sont là. Ont été toutes présentées et tout. Je les ai trouvées. Je les ai trouvées sur Moxfind également. Paf. Et donc... Ouais, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite analyse des cartes de ces decks? Je vous donne ma réaction à froid, je vous dis c'est bien, c'est pas bien. Ça a du potentiel, ça n'a pas de potentiel. Ce général, c'est nul ou pas? Hop. Il y a du bon parmi les nouveaux trucs. On va voir. On va voir. Allez. Il y a du très bon. Ah ouais. Ok, pas de spoil, pas de spoil. Yuma. Yuma, c'est celui qui a des synergies avec le graveyard et les lands. C'est un espèce de petit J-Trog. 6-6, il coûte un de moins pour chaque land dans ton cimetière. C'est quand même pas mal parce qu'il peut coûter 3. Mine de rien, il peut coûter 3. Et... Bah, vu qu'il peut coûter 3, ça peut être pas mal. Quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, tu peux sacrifier un land et piocher. C'est cool. Et quand une carte de désert est mise dans un cimetière, tu fais un 4-2 plante warrior avec la portée. Donc techniquement, tu pourrais avoir pour 3 mana en Naya un 6-6 qui fait sac un land, piocher une carte et un 4-2. C'est quand même pas mal, non, ça? Ça a l'air rien, ben. Ça a pas l'air déconnant. En vrai, ça donne envie de... Le problème majeur, c'est que ça joue avec le cimetière, quoi. Y a des bons déserts en Naya. Je sais pas s'il y a des bons déserts. Mais j'imagine que ça peut aller... Ça dodge les taxes de commandeur, ouais. C'est ça. Vu qu'il a un de moins pour chaque land dans ton cimetière, si t'arrives à mettre beaucoup de land dans ton cimetière, bah au final, il coûte quasiment tout le temps 3, quoi. Et pour 3 mana, un 6-6, c'est pas mal. Par contre, il faut mettre des cartes dans le cimetière. Donc là, j'imagine c'est un peu ce que fait le deck. On peut jouer Titania, on peut jouer Sun Titan. Puis tu sacrifies un land, tu vas chercher 2 basiques. Puis tu regardes le top 5. Il y a quelques cartes qui synergisent avec ça. Petite carte de commandeur, Desert Walk. This creature can be blocked as long as defender as a desert. Ok. Whenever a desert enters the battlefield under your control, create 2/1/1 red and green and white sand warrior. Ah, ça, on est sur Dune, quoi. Il n'y a pas assez de déserts compétitifs. Mais... Il y a des déserts qui sont ok à jouer comme ça. Typiquement, les déserts rouges... les monolandes déserts, ils sont ok, non? Après, Desert Walk, ouais, c'est... You may play Desert Land from your graveyard. Bof. Le Camille. Druide plante pour 4 mana. Les autres plantes et les merfolk gagnent +2/+0. Au début de votre étape pré-combat... Renvoyer une plante. Ah, j'ai dit merfolk. Trifolk. Renvoyer une plante, un sylvain ou un land depuis votre cimetière dans votre main. 4 mana. Oh, c'est claqué au sol. Claqué au sol, ça. Ça tire Wayfinder, c'est bien, ça. Tu peux mettre un land, tu mets le reste au cimetière, ça, c'est good. Oracle. Ça, 1-3 Death Touch pour 3. Quand il arrive en jeu, tu peux renvoyer un land de ton cimetière dans ta main. Ensuite, tu choisis un adversaire. Et ils récupèrent une carte depuis leur cimetière dans leur main. Hein? Et qui voudrait faire ça? Jamais. Jamais.
Donner des landes à l'adversaire. Dune chanteur. J'essaie de prendre les cartes qu'on n'a pas encore vues. Les terrains que vous contrôlez, les landes que vous possédez, qui ne sont pas sur le champ de bataille, sont des déserts, en plus de leur type. Les landes que vous contrôlez ajoutent la mana que vous voulez. Meulez deux cartes, vous gagnez one life for each land card milled this way. 2-3 qui stabilisent ta mana. Et qui transforment tes landes en désert. Et tu peux mettre des landes dans le cimetière. Il est bien avec le commandant, lui. Il est bien avec le commandant. Mais c'est à peu près tout. Ah, j'avais pas vu. Angel of Indemnity. L'ange des indemnités, quoi. C'est l'assurance, quoi. Pour 6, un 5-5 vol lien de vie. Quand il arrive sur champ de bataille, renvoyez un permanent qui coûte 4 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Et il a encore... Encore, c'est un truc de multi, non ? Exile this card from your graveyard for each opponent, create a copy. Ouais, c'est ça, c'est pour du multi plutôt. 5-5 vol lien de vie qui réanime un 4 ou moins. Ouais, ok, c'est pas... 6 mana, quoi. 6 mana, désolé, mais 6 mana... 6 mana égale bout du monde. Plain Cycling 5-7. Quand il arrive sur le champ de bataille, exilez deux artefacts ou deux enchantements. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Le Nantuko Cultivator, c'est une carte de Modern Horizon. Nesting Dragon. D'ailleurs, je vais les trier par coup converti de mana, peut-être. Sort by Mana Value. Voilà, comme ça, je vais les faire dans l'ordre. Sand Scout. 2-2 pour 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a plus de landes que vous, cherchez un désert. Mettez-le sur le champ de bataille engagé. En se mélanger ensuite. Quand un ou plusieurs terrains sont mis dans un cimetière depuis n'importe où, créez une 1-1. Sand Warrior. C'est ok ça. C'est un petit 2-2. Un petit 2-2 qui va ramper. Et qui, à chaque fois que tu mets des landes dans ton grave... Fait des... Ok, c'est ok. C'est pas, c'est pas la folie, mais c'est ok. Rumbleweed. Pour 11 mana. Ce sort coûte 1 de moins pour chaque lande dans votre cimetière. Plante élémentale. Vigilance Reach Trample. Elle est où la célérité? Elle est où, hein? Quand il arrive sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 de trample jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ouais, ouais, bof. Difficile d'en abuser. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment tu mets des landes dans le cimetière, quoi. Comment tu fais pour mettre beaucoup de landes dans le cimetière? Magmatic Insight, ouais. Détruisez un artefact. Ouh, c'est bien ça! Un blanc, un incolore, ça détruit un arto. Pour un de plus, ça détruit un enchant. Pour un de plus, ça met +1/+1. Chaque créature que le joueur contrôle. J'aime bien ça. Ça peut faire... C'est mono blanc, ça peut faire double disenchant et ça peut buffer. Je sais pas si ça va être... C'est probablement mieux qu'un disenchant. Ah, c'est Sorcery Speed. Ah, c'est Sorcery Speed. J'avais pas vu ça. C'est moins bien. Sorcery Speed, c'est moins bien. Pour 2 rouges X, ça fait X à chaque créature. Pour chaque mana dépensé d'un désert, vous créez un trésor. Ok. C'est dans le set principal, ça? Non, ça, c'est dans le set principal, mais ça, non. Ouais, j'ai pas lu toutes les cartes du set principal. Toutes les petites cartes, je les ai pas lues. Ça, c'est sympa, ça, quand même. Tu fais une petite vrasse qui fait des trésors. Ça va être bien dans Niv-Mizzet, ça, en duel commander. Il veut des vrasses et il veut ramper. Ça peut être bien, ça. Genre, pour 5, tu fais 3 à toutes les bêtes. Tu fais 3 trésors.
Ah non, il faut des déserts. Ah ouais, non, c'est le bout du monde. Ah non, c'est il faut des déserts. Je me suis arrêté à la puissance maximum de la carte. Ah, il faut des déserts. Oh, le bout du monde. Exile the top two cards of your library until your next end step. You may play those cards. Et ça retrace. Pour 3, tu peux refaire ça en défaussant un land. Encore et encore et encore. Ouais, ouais, ouais. Decimate. Frontier Escape. Descend upon. Vengeful Regrowth. Pour 6. Renvoyer 3 landes depuis votre cimetière en jeu engagé. Vous créez autant de 4-2 plantes warrior avec la portée. Pourquoi ils ont portée, on sait toujours pas. Hein. C'est des cactus, quoi. Hein. Ça a l'air bof. Ok, pass to exile, unolite, Valorous Stance. Sol Ring, Arcane Signé, Perpetuel Time Pieces. Chromatique Lanterne, Bitter Réunion. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous donne au moins? Est-ce qu'il nous donne des landes? Le cactus préservé. Oh! Arrive en jeu engagé, ajoutez 1 of any type that a land you control could produce. Pour 3, to end of turn, il devient une plante XX avec la portée ou X. Is the greatest mana value among your commander. Y a pas des commandeurs qui valent une blinde? Tu peux jouer des commandeurs 20-20 ou pas? La combo, le land tout seul. Tu peux jouer des commandeurs 20-20? Non, tu joues ça avec des commandeurs qui coûtent 20 mana, tu vois. Je sais pas, genre Emrakul. Tu joues ça dans Emrakul. Draco? Draco, il coûte quoi? 14? Une 14-14. Ouais, ouais, peut-être. Je sais pas, mais... Si t'as pas une créature 20-20, c'est dommage. Galta. Galta, c'est gros, ouais. Ah, je pense qu'on est sur... Il faut du légendaire qui coûte cher, quoi. Sinon, tu joues... tous les trucs... Tous les légendaires qui coûtent genre 15 mana avec de la réduction, t'as un 15-15. T'as un land 15-15 pour 3, ça peut... faire des trucs, je sais pas, ça vient en jeu engagé, j'aime pas trop. Yardle, il coûte 6. C'est le coût converti de mana, hein. The greatest mana value among your commanders. Faut juste avoir un commander qui coûte cher et ça fait des dingues. Ouais, donc je pense des légendaires qui coûtent une blinde... Il y en a. Est-ce que ça gagne pour autant? Est-ce qu'il a Trample? Non, il a Reach. J'aurais pu lui mettre Trample quand même. Ah, je suis désolé, ça a piétinement les cactus. On le sait quand même. Ok, bah ce commandant... Il n'y a pas beaucoup de folie hein, dans ce paquet. Le commandeur est peut-être bien. Mais plus pour un deck land. J'ai l'impression que le commandeur est bien... Le truc, c'est qu'il synergise avec les déserts. Tu vas vouloir avoir besoin de déserts. Il y a peut-être quelques cartes qui synergisent bien avec. Genre, typiquement, Satyr Wayfinder, Life from the Loam. Il faudrait voir s'il y a des cartes qui mettent tous les landes de ta bibliothèque dans le cimetière. Ce serait cool. Je sais pas si ça existe, ça. Je sais qu'il y a des cartes qui exilent, mais... Et après, le deck en lui-même, je trouve pas foufou, hein. Pas beaucoup de value. Ça, c'est un 8-8 dans le deck. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de grosses cartes qui donnent envie de jouer la synergie, en vrai. Même lui, il est pas ouf. Non. Non, poubelle, ça. C'est pas validé. Bonsoir, Elliot et Halls. Hello, Magikop. Bienvenue. Deuxième deck. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Gonti, le plaisir. Gonti, le plaisir. Pour 5-1-5-5, les sorts que vous lancez mais que vous ne possédez pas coûtent un de moins à lancer. Quand une ou plusieurs créatures que vous contrôlez fait des blessures à un joueur, vous regardez la carte du dessus de la bibliothèque du joueur, vous l'exilez face cachée et vous pouvez la lancer. Bon, tu joues avec les bêtes de l'autre. 5 mana, 5-5, c'est chaud. Mais... Est-ce qu'ils nous ont mis des dingues? On est sur les couleurs des dingueries, de toute façon.
Déjà, il y a un bel full Strix. Ça, ça fait plaisir. Je vais lister ce cactus préservé quelque part. Non, mais faut le jouer. Déjà, il y a un bel full Strix. Ça, c'est cool. Les spells que vous castez depuis l'exil. Oh, ok, il y a pas mal de synergie avec les spells depuis l'exil. Alors, est-ce qu'on a des exclus? Donc, il y a des bêtes imbloquables dans le deck. Thieving Farming. Pour 2, un 2-1 Death Touch Lifelink. Pay 1 life, add 2 mana of any color. Spend this mana only to cast spell you don't own. Sympa. Euh, 2-1 Death Touch Lifelink. Qui fait 2 mana. Pour caster les sorts qui sont pas à toi. Aïe 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 aïe. Il fallait mettre cette ligne là. Ouais, ouais, c'était chaud. C'était chaud. Si ça faisait 2 mana tout court. Lancer un sort que tu ne possèdes pas. Bah pas avec le commandant, mais hein, c'est vrai que c'est pas facile. Faut lancer les sorts de l'autre. Après 2-1 Death Touch Lifelink, ça défend correctement quand même. On va pas se mentir. Ça, je pense que c'est à surveiller. Petite carte à surveiller. Oh, Shadow Mage Infiltrateur. Thief of Sanity. Mais c'est l'enfer ce deck. C'est le démon ce deck. Je joue avec ton deck. J'ai sauté un truc. Qu'est-ce que j'ai sauté qu'on connaît pas? Ça? Ah ça! Ok, Snake. Un deck de fripouille un peu. Non, ça a l'air cool à jouer ça par contre. Towen's Winder. Pour 2-1-1-1 Reach Death Touch. Donc portée contact mortel quand il inflige des... Quand il arrive sur le champ de bataille. Cherchez dans votre bibliothèque et où votre cimetière pour une carte qui s'appelle Command Tower. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Si vous avez cherché dans votre bibliothèque... Il la met pas en jeu. 1-1 Reach Death Touch. Qui va chercher Command Tower. C'est acceptable. Ils avaient pas besoin de ban Raffine. Ils donnaient ça au jeu vert et c'était bon. Il fallait pas ban Raffine. Il est 1-1 Reach Death Touch et il va chercher Command Tower. Mais la dingue. Il est bien lui. Il est même très très bien lui. C'est un bel full Strix qui trouve toujours ton meilleur land. C'est moins fort qu'un bel full Strix dans le sens où déjà ça trouve un land, pas une carte active, et bel full Strix peut reprendre l'initiative. Mais bon, c'est vert et ça va chercher Command Tower. C'est validé à 200% ça. Ah ça, c'est vraiment la carte que tu veux dans un deck un peu contrôle. C'est vraiment la carte qui manquait à Slimfoot typiquement. Slimfoot avait besoin de cette carte. Parce que ça stabilise le fly et ça progresse en mana. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est validé ça. Est-ce que ce sera beaucoup joué en DC? Je ne sais pas. Après ça bloque tout et ça trade. Ça bloque tout, ça trade, ça va chercher Command Tower. Même à Traxa ou tous les decks multicolores base verte, ils vont aimer cette carte. Hein. Ah, j'aime bien. Ok, c'est validé. Ukima, partenaire avec l'autre, il peut pas être bloqué. Il fait X. Ah, X Isis Power. Bon, ça, c'est des cartes que je connais pas. Kazul et Ukima qui peuvent devenir tes commandants. Hostage Taker, le plaisir. Savvy Trader. Quand il arrive sur le champ de bataille, exile target permanent card from your graveyard. You may place that card for as long as it remains exiled. Les sorts que vous lancez depuis n'importe où autre que votre main coûtent un de moins à lancer. J'ai peur que cette ligne soit un peu trop forte, mais bon. Ça veut dire que ton commandant coûte un de moins à lancer. Hein. Ton commandant coûte aussi un de moins à lancer avec Savvy Trader. Exile target permanent from your graveyard. C'est un espèce de witness un peu chelou. C'est un witness, on peut pas toucher la carte que t'as exilée. Par contre, il récupère que des permanents.
Dur. J'ai envie d'être dur avec cette carte. Je pense que c'est pas ouf. Ça coûte beaucoup de mana quand même. Beaucoup de mana, ça. J'aime pas trop. Après, plutôt, c'est peut-être plutôt une carte à combo qui peut comboter avec ton commandant. Tu veux lancer les sorts de ton cimetière. Je sais pas, ça a l'air un peu mou. Je prends que les nouvelles cartes. Hein. 5 mana, 5-4, menace, ward 2. Tower Windle est déjà à 10€ en solo. Bah, tu m'étonnes même pas. Félix 5 Boots. Non, c'est une vraie carte. C'est un Ooze Rogue. Donc 5-4, menace, ward 2. Si une créature que vous contrôlez dealing combat damage to a player caused... Si une créature que vous contrôlez est en train d'infliger des blessures de combat à un joueur... Le wording est infâme. Bon, en gros, si t'as une créature qui touche un joueur et que ça déclenche une capacité, tu déclenches la capacité plusieurs fois. Tu refais toutes les créatures qui, quand elles déclenchent une capacité en connectant, elles vont se déclencher plusieurs fois. C'est un peu comme le... la carte élémentaire, là. Ok. 2-6, quand elle fait des blessures de combat à un joueur, pioche une carte... 3-3 vol pour 5, flash. 3-3 vol, flash, j'aime bien. Quand elle arrive en jeu, vous exilez un sort de l'adversaire. Quand elle attaque, si la carte est... si une carte a été exilée, vous pouvez caster la carte exilée sans payer son coût de mana. Je te contre et joue ton spell. 5 mana, peut-être à peine un peu cher pour le duel commander. Ce serait 4 mana, je pense que ce serait jouable. Exile target spell an opponent control. Ça contre tout. Ah, ce serait 4 mana, ce serait broken. Mais c'est 5 mana. 5 mana, c'est cher. Tu peux contrer des Parallax Waves, tu peux contrer des Dings. Mais bon. C'est 5 mana, quoi. Tu peux contrer Emrakul. Oh! Tu pourrais techniquement contrer Emrakul. Le gars, il prend ton tour. Non. 5 mana avec flash, c'est pas le même coup. Ouais, c'est 5, c'est 5, c'est pas 4. Dommage. Orochi Soul River, ninjutsu 5-4. Quand une ou plusieurs créatures fait des blessures de combat à un joueur, crée un trésor et manifeste la première carte du top de la bibliothèque de ce joueur. Ninjutsu. Le Brain Stealer Dragon. Je l'avais jamais vu celle-là. Ça exile les cartes de la bibliothèque adverse. Et ça fait des dégâts. Ouais, vous connaissez peut-être toutes les cartes. Moi, je suis en train de découvrir. Curse, Extract Brain. J'essaie de voir surtout les nouvelles cartes. Three Visits. Ah, ils ont mis Three Visits. C'est bien qu'ils aient réédité ça. Parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des Three Visits. Arcane Heist. Pour 4 mana en sorcery, you may cast target instant sorcery from an opponent deck without paying its mana cost if that spell would be put in a graveyard, exile it instead. Tu joues un sort de la... Oh ! Tu joues un sort d'éphémère ou de rituel de la bibliothèque de l'adversaire gratos. Tu flashback un sort gratos en fait. Et tu peux cipher, tu le mets sur ta bête et ça flashback 2 spells. Ça peut être jouable ça. Mais il faut être sûr que ton adversaire joue des sorts. Et il faut être sûr que tu connectes. C'est partout maintenant, Three Visits ? Ok. Ça a dû faire baisser le prix de la carte, du coup. Pour 8, exiler toutes les créatures. Pour chaque créature exilée, vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Et dépenser le mana comme vous voulez. Fair enough. Putrefy. Lingot, c'est quoi ça ? Pour 2, équipement 1. Le dessin est très très beau, j'aime bien. Whenever equipped creature did combat damage to a player, look at the top card of their library, then exile it face down. For as long as it remains exiled, you may play it. C'est bien ça, non? En gros, quand tu connectes, tu peux jouer la carte du dessus de la bibliothèque de ton oppo. You may play it. Ça joue les landes.
Et tu peux payer comme tu veux. Ça a l'air ok ce petit équipement là. C'est pas forcément la value ultime, mais ça a l'air ok. 3 mana c'est ok. Équipement 1 c'est souvent bien, j'aime bien. C'est pas non plus fou, en vrai le duel commander est peut-être un peu plus actif, mais c'est ok quoi. Alors, les temples, Opulent Palace, Command Tower, Tunnel d'accès. En vrai, ce deck, il a l'air d'avoir des bons lands quand même. En vrai, il y a des meilleurs lands que dans notre version. On a vu des decks commander un peu moins greedy, quoi. Il y a une bonne mana base. Darkseek Shore, Drone Catacombe, Interland Arbor. En vrai, j'aime bien ce deck. J'ai l'impression qu'il est... Je sais pas à combien ils sont vendus, les decks, mais j'ai l'impression que celui-là, il est vraiment bien. Il y a pas mal de bonnes cartes individuelles. Il y a Baleful Strix, Tower Windle. Même au Stage Taker, c'est pas poubelle, quoi. Edric. Non, il y a pas mal de bonnes cartes, quand même, là-dedans. J'aime bien celui-là. Rampant de Grosse, Revisit, qui sont pas mal. Bon, les Stun, Sol Ring, ils arrivent à le mettre dans absolument tous les decks. Et les Lands. Franchement, non, je pense que ça... Celui-là, il vaut déjà beaucoup plus le coup que l'autre deck, je pense. Vraiment, il y a plein de petits one-off qui ont du potentiel en Commander, notamment Tower Windle. Tu vois, ça m'étonne pas que si Tower Windle à l'unité vaut 10 balles, tu vois, je me demande... Je pense que tu peux retrouver pas mal de ta value avec les petites cartes dedans. Celui-là, il est validé. Je pense qu'il y a vraiment un petit truc. Voilà, Tower Windle, ça donne envie. C'est validé. Deck numéro 2, validé. Deck numéro 3. Olivia. Est-ce qu'il y a des fans d'Olivia dans ce chat? Olivia. Pour 4, un 3-3 vol, lien de vie. Quand un ou plusieurs hors-la-loi que vous contrôlez fait des blessures à un joueur, créez un trésor token. Alors ça ressemble un peu à Tomb Raider dans l'application, mais faut connecter quoi. Faut connecter avec des hors-la-loi. Ma fille s'appelle Olivia. Salut à toi Olivia. Si tu regardes le stream, bienvenue. Sacrifiez 2 trésors pour 3 mana, mettez 2 compteurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est beaucoup. Le défaut, c'est qu'elle meurt sur Bolt. Ce qui est quand même un défaut majeur en duel commander. L'avantage, c'est qu'elle est Mardu. Je pense pas que ce soit si fort que ça en tant que commandant, en vrai. Je trouve ça un peu bof-bof. Mais il y a peut-être des dingueries. Alors, ça. 5 mana, 4-4, vol vigilance. Quand elle arrive en jeu ou qu'une autre créature non-jetant arrive en jeu sous votre contrôle, créez un mercenaire. Quand il attaque, si son power est 6, piochez une carte. En gros, si t'as 2 mercenaires, tu pioches. Ok, moyen. Brenna the Demagogue. Pour 3 mana, une 1-3 vol, qui est légendaire. Whenever a player attacks one of your opponents, if that opponent has more life than another of your opponent, bon, c'est pour du multi, that attacking player draws a card and put 2 counters on a creature you control. C'est un reprint. Oh, ok. De toute façon, c'est pour du multi. Lui, pour 3 mana, un 3-1, quand il arrive sur champ de bataille, renvoyez un hors-la-loi depuis votre cimetière dans votre main. Ça peut être dangereux, ça. Ah non, dans votre main, ça va. Exile 4 cards from your graveyard. Il revient en 4-2. Ouais, il réanime des hors-la-loi. Ouais, c'est pas fou. Sacrifie une créature, mettez 2 marqueurs sur une créature. Retire un compteur. Une créature que vous contrôlez crée un trésor. Sacrifier un artefact, crée un 2-1. Untap. Okay.
Pour 4, un 4-4, chaque hors-la-loi, chaque créature hors-la-loi dans votre cimetière a encore X, where X is mana value. Ça crée un jeton pour chaque adversaire. C'est une carte de combo. Ça réanime tes bêtes, ouais. Je vais te prendre les nouvelles cartes, mais je connais pas tout. Queen Marchesa, ça je connais. Ça donne le monarque. Ça c'est bien ça. 3-3 Death Touch Haste. C'est ban en commandant ou pas ça? Dans le format Marchesa. Ou c'est joué ou c'est pas joué juste. C'est pas ban, c'est juste pas joué quoi. C'est Aragorn en moins bien. Ça met des assassins Death Touch. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de bleu, quoi. Les gens n'aiment pas. Mais ça doit être cool, Marchesa, comme deck. Other Outlaws, you control a Vigilance and Haste. Il est 3-3 pour 3. Dwarf Warlock. Au début du combat pendant votre tour, you may have treasure you control become 3-3 construct assassin. Creature in addition to their other type. Faut voir un peu les cartes qui font des trésors. Aïe aïe aïe. Faut voir un peu les cartes qui font des trésors. Quoi. Franchement. Texte. Il est dwarf, non? Tu peux jouer Magda. Les hors-la-loi ont vigilance haste. Et tes trésors, ils deviennent construct assassin. Assassin fait partie des hors-la-loi. C'est-à-dire que quand tu le joues, tous tes trésors peuvent attaquer, quoi. C'est vraiment tous tes trésors attaquent. Ah, tu joues un deck, tu joues que des petites bêtes qui mettent des trésors. Charming Scoundrel. Extorsionniste. Quand il arrive sur champ de bataille, crée X trésor, where X is the number of artifacts and enchantment your opponent control. Ah, faut qu'ils aient des artefacts et des enchants. Ça dépend vraiment. ça dépend vraiment des cartes qui mettent des trésors. Avec Generous Plunderer, c'est pas mal. Generous, il fait des dégâts par rapport au nombre de trésors. When you cast an historic spell, create a treasure. This ability target twice. Goldspawn Dragon. Et je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. En vrai, je pense que ça envoie des vraies patates. Il y a vraiment moyen que ça envoie des vraies patates. Life Insurance, when a non-token creature dies. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Elle fait 2 trésors, je crois. Non, elle fait X trésors. En multi, c'est sûr, mais même en... Tu peux jouer les 2 Magda qui sont dwarfs. Oh yo. Ah, ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Je pense que c'est... T'as, tu peux jouer Moria. Tu peux jouer when an opponent casts their second spell each turn. Ah, y a probablement des dingues à faire. Lui, il fait des trésors. Hein. Quand vous faites un, il crée un robot. Ah, je suis sûr que tu peux faire des trucs avec ça. Hein. Ouais, je pense qu'il y a... Tu peux jouer Ragavan. Lol. Je suis sûr que tu peux. Je suis sûr que lui, il a plus de potentiel que l'autre. 3-3. Tous tes trésors, c'est des 3-3 assassins. Avec la vigilance et la scellée. Je pense que ça envoie des patates des enfers, ça. Hein. Si t'as un truc qui booste les assassins. En vrai. Il est 3-3, il est pas 3-4.
Mais j'ai bon espoir. En vrai, on a trouvé une petite... petite pépite, je pense, lui. Ça a l'air tellement bien, en plus. En plus, tu peux jouer un commandant... Je note. Tu bourres, tu sacs tes trésors. Ouais, je crois que si t'as 3-4 trésors, t'envoies 9, je pense que ça suffit à gagner, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si tu le joues et il meurt, tu pourras utiliser tes trésors plus tard pour le rejouer, par exemple. Non, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, lui, là. Le Gold Waker. On fera un petit build sur ça. Tiens, vas-y. Laissez-moi. Je note. Gold Waker. On fera un build avec lui. Je pense qu'il y a un truc à faire. Back in town. Retourne X target outlaws creature. Card from your graveyard to the battlefield. À noter que... Ah oui, non, mais à noter... Il donne la scellée, la vigilance aux Outlaws, mais t'as sûrement possibilité de mettre plein d'Outlaws dans ton deck, en fait. Tu peux juste jouer des pirates, des mercenaires, des rogues, des warlocks, et ils ont tous célérité quant à ton commandant. C'est quand même assez broken. Juste le fait de donner célérité quant à ton commandant, en plus tu joues noir, donc tu joues Parallax Wave. Enfin, tu joues blanc, je veux dire, tu peux jouer Parallax Wave, Sword. Back in Town, qui va réanimer des hors-la-loi. Mass Mutiny, bon, sont moins forts. Pour 4 mana, until end of turn, les hors-la-loi que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. This creature deal damage equal to its power to target creature. Mais pas, ça met pas dans la tête du joueur. Pour 4, enchanter un terrain. Enchant land has a 2 mana to any one color. Spend this mana only to cast outlaw spell or activate abilities from outlaw source. When you cast your first outlaw each turn, you draw a card. Life insurance. Bon, ça fait des trésors. Et ça. Pour 3 mana, enchantement. Legendary creature spell you cast have convoke. Whenever your commander has attack, create a 1/1 mercenary creature. Target creature you control get +1/+0. Vos sorts légendaires ont la convocation. Votre commandant a la convocation. Ça veut dire ça. Donc les mercenaires que t'invoques avec We Ride That Down, tu peux les utiliser pour faire du mana, globalement. Ouais. Et quand on commence... Ouais, ok. C'est peut-être pas si mauvais, ça. En vrai, c'est peut-être pas si mauvais. Quand ton commandeur attaque dans Yoshimaru, ça fait une espèce de wedding announcement un peu bizarre. C'est quand ton commandeur attaque. Ah. Ah ouais, dans Adeline, ouais, les tokens, ça peut être ok. Ouais, ça a pas l'air fou. Est-ce qu'on a un land un peu chelou qui est bien? Tainted Peak. Add one or un, activate only if you control a swamp. Il y a un land pour les mercenaires, non? Il n'y a pas de land mercenaire? Pas de land mercenaire. Ok. Ouais, ce pack, je l'aime un peu moins. Je trouve qu'il y a un peu moins de bonnes cartes en soi. Il y a lui qui est bien. Il y a lui qui donne envie de builder un peu. Je trouve qu'il a vraiment... un côté puissant, tu vois. Où t'as envie de jouer des trésors et tu te dis, je pose des trésors, je fais mon commandant, j'envoie une grosse patate. Vraiment une grosse patate, quoi. Donc t'as envie, en plus, vu qu'il est dwarf, t'as envie de jouer Magda, t'as envie de jouer un peu tous les dwarfs chelous. T'as envie de jouer Ragavan, mais ça, tu peux pas. T'as envie de jouer toutes les petites cartes qui mettent des trésors, genre ça.
The Beginning of Your Upkeep. Quand une créature de l'adversaire meurt, tu fais un trésor. Et quand t'as 12 trésors, t'as gagné. Je pense qu'il y a des petites cartes obscures, tu vois. T'as lui qui fait un trésor. Il y a des petites cartes obscures dans les couleurs qui vont être bien. T'as ça qui fait des trésors quand les créatures de l'autre meurent. Genre, tu peux jouer un espèce de deck contrôle avec des trésors où tu fais ton commandant, t'attaques avec tous tes trésors et t'as gagné, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu comme ça que je le jouerais, quoi. Quand tu cycles le Balrog, tu fais deux trésors. Quand il meurt, you may exile it if you do. For each opponent, exile up to one target creature. 8-8, trample haste. Cycling 4. Tu cycles le Balrog, tu fais deux trésors. Non, il dit tu fais des trucs comme ça, tu vois. Ah, il a l'air trop bien, ce commandant. T'as la trove qui met un trésor par tour. T'as trésor map. Windfall, t'as lui qui est là. Tu joues le gobelin pirate. Oh, tu joues Xorn. Ah mais ouais, tu joues Xorn. Bon ouais, c'est pas sûr que ce soit fou, on verra. On verra s'il y a du monde. Ouais, bah à part ça, Olivia bof quoi. Hein. Olivia bof, j'aime moins ce pack aussi. J'espère que le dernier pack est vraiment un peu meilleur. Yes Dadou, vous kiffez ? Ouais, j'espère. Ah, il a l'air bien, franchement, il a l'air bien, à builder. Est-ce qu'il va être compétitif ? Je ne sais pas, mais il a l'air bien à builder. Alors, Stellali, wildcard. Elle avait l'air cheatée, elle. 2-4, quand vous lancez votre second sort chaque tour, vous exilez la carte du dessus jusqu'à votre next turn. You may play that card. Donc, 2 sorts par tour. Et t'as une carte gratuite. Copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new target for the copy. Activate only if you've cast 3 or more spells. Donc, tu joues ton deuxième sort, ça donne une carte gratuite. Et tu joues ton troisième sort, ça commence à copier tes spells. D'instant ou de sorcery. Pas tous les sorts. Ok. Le commandant est ok. Je pense pas que ce soit fou. Mais c'est ok. Alors, là. Ça, c'est bizarre, je connais plus les cartes bleu-rouge que toutes les autres couleurs. Thunderclap Drake. 2-1 pour 2. Vol. Les sorts d'éphémère ou de rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. J'accepte. C'est un baral, quoi. Pour 3, sacrifiez le Drake. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez-le. For each time you've cast your commander from the command zone this game. 2-1 vol pour 2, tes sorts coûtent 1 de moins. Et tu le sacs pour 3 pour copier un sort autant de fois que t'as casté ton commandant. Faut caster son commandant plein de fois. Donc ça veut dire très très late game. Mais bon. Ça dépend si ton commandant coûte cher ou pas, quoi. Jouer Phoenix sans DC, je sais pas, peut-être. Tu peux jouer un Phoenix. Ouais, il a un bon passif. Ok, il a un bon passif. Ça, je connais pas. Whenever you cast or copy an instant sorcery spell, mettez +1/+1 dessus. If you... Casting or copying an instant or sorcery spell. Ok, tu copies plein de fois. 2-2 pour 3 qui copie plein de fois, ok. Cracking Spell Slinger. Pour 5 mana, un 2-2 flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez ce tour-ci à Storm. Bon bah globalement tu le joues et tu joues Bolt quoi. Tu le joues et tu joues Bolt avec le Storm. Ça coûte 5 pour un 2-2 flash. Ouais, ça coûte cher. Ça coûte cher, j'aime pas trop la carte. Je pense que ça coûte trop cher.
Sauf si tu joues genre Flash. Tu joues Flash, tu la flash de ta main. If you've cast it. Oh, en plus, faut la lancer. Oh là là. Le bout du monde. Non, poubelle, poubelle. Trop de mana. Eris. Roar of the Storm. Pour 10. Now we are talking. Pour 10 mana. 4-4. Vol prouesse. Ce sort coûte 2 de moins à lancer. For each different mana value among instant or sorcery card in your graveyard. Oh. Force of Negation et Force of Will disent oui. Quand vous lancez votre deuxième sort chaque tour, créez un 4-4 dragon elemental token with flying and prowess. Donc pour... Alors, attends. This spell cost two less. Donc il te faut des sorts d'éphémères et de rituels qui ont des valeurs de mana différentes. Et ça, c'est facile. Tu prends... ça, c'est facile. Tu prends ça, tu fais... Je sais pas, tu as un cycling. Hop. Tu fais commandant bleu-rouge. Pipeline, faut que ce soit genre instant sorcery. Et là, t'as tous les sorts ratés. Ah, ça peut pas être et instant et sorcery. Ok, ça va être juste sorcery du coup. Donc là, t'as tous les sorts qui se cyclent pour 1 ou plus qui vont avoir des coups différents. Typiquement, tu peux jouer Boon of the Wish Giver. Bim, 1. Tu peux jouer Compiling Argument, 2. Lorian Reveal, 3. Enfin, ça fait 5. 1, 2, 5. Bon, vous avez compris le principe. Je pense que c'est assez facile. Là, on est sur les instants. On n'a rien qu'à mettre les... On est sur les sorceries, on n'a rien qu'à mettre les instants, et puis on est bien. Tu peux jouer sans sort. Complicate. Counter Veiling. Don't Blink. Fire Ice. Mental Journey. Tu peux juste jouer des contres normaux, en fait. Ça a l'air d'être une dinguerie, celui-là. Mais tu joues bleu-rouge contrôle. Tu joues bleu-rouge contrôle. Et genre, tour 4. Tu fais un 4-4 vol prouesse. Et si tu lances deux sorts pendant ton tour, bim, t'as un 4-4 dragon prouesse. C'est pas bon du tout, ça. Là, ils ont mis Octavia à côté, bien entendu. Octavia coûte 8 de moins à lancer si vous avez 8 or more instant sorcery card in your graveyard. Ward 8-8-8. Whenever you cast a copy, or copy an instant sorcery spell target creature, devient 8-8. Bah oui. Mais c'est un peu... C'est un peu la même, non? Ça vient plus vite, je pense. Eris, il vient plus vite. Il a pas Ward 8. Ouais, il a pas Ward 8. Mais il est rouge aussi. Tu peux jouer Bolt, quoi. Eris, ça a l'air méchant. Et en plus, il faut juste que tu aies une valeur de mana de plus. En fait, il faut 4 valeurs. Donc si t'as 1, 2, 3, 4... Oh, oh je sais. Les amis, regardez. Regardez. Ah non, mais donnez-moi... Donnez-moi le pacte. Regardez, vous jouez Pact of Negation. 0, bro! Instant Sorcery, 0 mana! Mais oui! Oh, tu joues ça? Oh, ça a l'air d'être une dinguerie, ça, je pense. Ancestral Vision, mais ouais! Oh, oi, 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 oi. Attends, il est 4-4 pour 2. En gros, t'as un commandant qui coûte toujours 2. Il est 4-4 prouesse, et quand tu joues 2 sorts, il met des dragons. Pas l'air cool du tout, ça. OMG.
Ah, ça a l'air pas l'air... ça a pas l'air gentil du tout, ça. Bon, tu prends Rest in Peace, tu pleures. Mais bon. Je suis en train de build. Ah bah, amusez-vous, amusez-vous. Ça a l'air d'être une dinguerie. Dinguerie en perspective, ça. Draw cards and discard a card for each other instant sorcery spell you've cast. Ouais, ça loot. Music Mastery. Ok. Red Gambit. Discard your hand, then draw 4 cards. For each card discard this way, vos créatures gagnent plus 2, plus 0 avec le plot. Ouais. Suspend. Pour 5, ajoutez un mana rouge pour chaque card dans la main de l'adversaire. You don't lose this mana. Exile avec toi. Ça fait du mana rouge, ok. Trésor Cruise, ça c'est ban. Opt, Arcane Dignal, Galvanic, Dix Root Time, Curse Mirror. C'est quoi ça? Ça c'est une nouvelle carte. Forgeur Fonderie. Pour 3, ça fait un mana bleu. Quand vous dépensez du mana pour... quand vous dépensez ce mana pour lancer un sort d'éphémère rituel qui coûte 3 ou moins, vous pouvez exiler ce... vous pouvez l'exiler lorsqu'il se résout. Et pour 5, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de cartes exilées avec la forge sans payer leur coût de mana. Ça, c'est ton pic, ça? Ça, tu penses que c'est une dingue? T'exiles tes sorts et tu peux les rejouer plus tard. Et quand tu les rejoues, c'est pas un sceptre isochronique. Quand tu les rejoues, ils repartent au cimetière. Hein. Ça me fait pas rêver. Quand tu rejoues le sort sans payer son coup de mana, il part au cimetière. Tu peux le faire qu'une fois, je crois. C'est pas un sceptre isochronique, ça. Je suis pas convaincu. Je suis pas du tout convaincu. Et Smoldering Stagecoach. Étoile 5, égale au nombre d'instants toute sorcerie dans votre cimetière, logique. Quand il attaque, the next instant spell. And the next sorcery spell you've cast this turn, each of cascade. Ça donne cascade. Ça donne cascade à un spell. Avec la forge, si t'as de quoi une tape, la forge en instant speed, tu peux réexiler et recast. Non, parce que tu peux, vu que tu le castes sans payer son coup de mana, tu peux pas dépenser le mana bleu pour l'exiler. Ah, je sais pas. Je saurais pas dire. Je pense pas. Je pense pas que ce soit si bien que ça. Hein. Ça te permet de rejouer tes sorts, mais ça a pas l'air si bien que ça. Leyline Dowser. J'ai oublié ça. Pour 1, meuler une carte. You may put an instant or sorcery card milled this way into your hand. Tap an untap legendary creature you control. Untap Leyline Runner. Tu te meules de 1. Si c'est un sort d'éphémère ou de rituel, tu le prends dans ta main. Et tu peux engager une légendaire pour détaper ça. Il faudrait un truc genre when you cast a spell... un tapit, mais ça a pas l'air foufou non plus. Ok, et dans les Landes, est-ce qu'il y a des dingues? Il n'y a pas de dingues. Il y a 13 montagnes. Il n'y a pas de dingues. Ok. Plutôt un deck à thème spell. Mais vraiment, lui là... lui, il donne envie, lui. Lui, c'est le plaisir. Elemental Warlock. Ah lui, c'est le plaisir. J'ai envie de dire, t'as besoin de pas grand-chose pour qu'il soit bien, lui. Tu peux jouer Fury, Pyrokinésie. Oh. Oh. Tu peux jouer tous les contres. Fury, Pyrokinésie. Il coûte 2 à lancer. Il est 4-4 vol prouesse. Mon amour. Eris, mon amour. Ouais, je pense que Eris, c'est un peu push aussi. Tu joues probablement Octavia dans ton deck. Tu joues probablement les deux. Aïe aïe aïe. Oh le plaisir. Non, ça va être cool. Ça va être cool. Bah du coup, mon cœur va plutôt pour...
Si je devais en choisir deux, je pense que je prendrais le Quick Draw et le Larceny. Je pense que le Sultai... Bon, vous comprenez que j'aime bien le bleu, quoi. Voilà. Non, j'aime bien le Sultai et le Quick Draw. Je trouve qu'ils sont bien. Ils sont pas mal comme deck. Allez, deux decks bleus. Eh, c'est pas ma faute. Le deck Sultai, c'est pour une carte verte que je le prends. Mais je pense que c'est vraiment deux bons decks. Et il y a des très bonnes cartes dedans. Ça m'a l'air bien. Ça donne envie de builder les deux petits paquets. Mais on fera ça. On buildera ces decks-là. Ne vous inquiétez pas. On les buildera. On se fera plaisir. Le plaisir sera maximum, les amis. Let's go. Si vous avez regardé ça sur la chaîne Replay, merci de lâcher un petit com, un petit abo. Et puis, lequel vous préférez, vous ? Dites-moi dans le chat. Lequel vous préférez ?